Est-ce que t'as pris une décision ? J'ai toujours rêvé d'être prise dans cette école. J'ai décidé d'y aller. C'est bien, j'espérais que tu accepterais. Et nous, on va devenir quoi ? T'as qu'à mettre dans ta valise. On va se débrouiller. Et puis, c'est seulement pour 4 ans. Oui, mais je serai très loin. Tu reviendras juste après. Et en attendant, je pourrai aller te voir là-bas et toi, tu viendras me voir ici. La distance n'a aucune importance. Et à chaque fois qu'on ira faire du kayak, on aura l'impression d'être ensemble. Oui, enfin, je crois que faire du kayak sur le lac Michigan n'est pas comparable à en faire ici. Alors dans ce cas, tu ferais peut-être mieux de rester. Je t'aime, Alana. Je t'aime, Carl. C'est la seule chose qui compte. Cherche de l'amour. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient tendrement et c'est ce modèle que je voulais suivre. Mais dans mes relations, je n'étais pas réaliste. J'étais à la recherche d'un prince charmant alors que je savais qu'évidemment ça n'existait pas. C'est ce qui nous a poussé à mettre au point Closer, une appli de rencontre qui aide à trouver une relation qui soit pratique, durable, harmonieuse et stable. Notre objectif est d'aider les utilisateurs à trouver l'amour en leur proposant de rencontrer des personnes qui fréquentent le même quartier, des personnes qu'ils croisent en fait tous les jours sans le savoir. Si vous vous demandez si ça peut vraiment marcher, Alana, nous ne sommes pas uniquement les cofondatrices de cette appli. Nous sommes aussi des utilisatrices. Il y a un an, j'ai rencontré mon petit ami Evan sur l'appli. On l'ignorait, mais on vivait dans le même quartier et on avait beaucoup de points communs. On allait dans le même café, la même salle de gym, le même pressing, mais on ne s'était jamais rencontrés jusqu'à Closer. Le succès est au rendez-vous. On en est la preuve. Oui, enfin, surtout Alana. Cela dit, j'ai reçu une notification de compatibilité à 90%. Il adore le caramel, la danse salsa et les chiens. Vous avez exactement les mêmes goûts. C'est clair. Et il travaille dans l'immeuble juste en face. On dîne ensemble ce soir. C'est vraiment génial. Je suis super impatiente. Allez, on s'y remet. Ouais. Ce qu'on attend du partenariat avec Atlas Capital, c'est l'opportunité de nous développer à l'échelle nationale. Des versions d'essai ont déjà été lancées avec succès à Chicago, San Francisco, Los Angeles, New York et à Saint-Pétersbourg en Floride. Je viens de Floride. Mais en nous associant avec Atlas Capital, nous pourrons étendre notre activité et permettre enfin à tous les célibataires de se rapprocher. Comment j'étais ? Alana, tu devrais être moins stressée. Oh. Ça va marcher. Et si ça marche pas, le café en bas de l'immeuble recrute. René, peu importe ce qui se passera, je suis contente qu'on soit associés. Moi aussi. On a des investisseurs à convaincre. Apparemment, Atlas a aimé notre présentation. Ils sont intéressés. Ils vont en discuter en interne. Ah, c'est super. Merci. Mais n'en parle pas autour de toi tant qu'on n'a rien de concret. Est-ce que tout va bien ? Oui, pourquoi ? Ça va. Allez, tu penses à quoi ? Eh, je me disais seulement que nos rendez-vous seraient plus sympas si je perdais pas tout le temps. On est sur le practice, on est juste là pour s'entraîner. Oh ! Attends, tiens. Je voudrais que tu essaies une nouvelle balle. Et tu es ma meilleure amie. Ce que j'essaie de te dire, c'est... Est-ce que tu veux m'épouser ? Oui. C'est vrai ? Oui, bien sûr. T'as dit oui ? Elle a dit oui! Oh. Oh non, désolé. Pourtant, j'avais pris une de tes bagues pour voir la taille. Je sais pas ce qui s'est passé. T'inquiète pas, elle est magnifique. Je vais la faire ajuster. Papa, c'est moi. Essaie de me rappeler. Salut. Je me doutais que tu serais là.
Tu sais qu'il faut trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Non, pourquoi toi t'y arrives? Non. Je crois qu'en fait on dit entre la vie et le travail. Alors, ce rendez-vous? C'était incroyable. Il est beau gosse. Il est canon et en plus il est super drôle. Une seconde. Toi, t'as quelque chose à me dire. C'est dingue, comment tu le sais? C'est facile. J'ai des super pouvoirs. Et tu sais très bien que tu peux rien me cacher. C'est vrai? Me fais pas attendre. Il devrait y avoir une bague de fiançailles à mon doigt parce que Evan m'a demandé de l'épouser. Mais la bague n'allait pas. Du coup, il doit la faire ajuster. Oh, ma chérie, félicitations. Je suis un peu surprise. Excuse-moi, je m'étais pas rendu compte que vous en étiez là. Moi aussi, ça m'a étonnée. C'est vrai, Evan est génial. Mais je trouve que ça va un peu vite. Tu l'as annoncé à ton père? Qu'est-ce qu'il a dit? J'arrête pas d'essayer de l'appeler, mais il répond pas. Tu devrais peut-être lui dire en personne. Tu pourrais partir demain et rester pour le week-end. Ça lui ferait une bonne surprise. Ah, voilà, je préfère ça. Kayak, la marque reine des kayaks. Mais on a une touche avec Atlas Capital. Ouais, justement, ça va prendre du temps. On est débordés de travail en ce moment. Oui, mais je peux gérer quelques jours. Tu trouveras jamais de vol. Dommage, je viens d'en booker un. En si peu de temps? C'est mon cadeau pour tes fiançailles. Bonjour, Rich. Je vais prendre mon préféré. Un jus de mandarine, s'il te plaît. Regarde comme elles sont belles. C'est vrai, elles sont superbes. Je te fais ça tout de suite. Merci. Waouh, t'as enfin réussi à quitter les nordistes? Comme quoi, il faut croire au miracle. Et toi, tu mets enfin des chemises et pas juste des t-shirts. Comme quoi, il faut croire au miracle. Une minute ensemble et on commence déjà à se chamailler. T'as peur de manquer de répartie? Qu'est-ce qui t'amène en Floride? Je suis venue rendre visite à mon père. Ça va lui faire plaisir de te voir. Tu lui manques beaucoup. Tu manques beaucoup à tout le monde. À tout le monde? Je t'offre ton jus de fruits. Je vais prendre comme d'habitude et un jus de mandarine pour Alana, s'il te plaît. Merci, mais qu'est-ce qui te dit que je voulais un jus de mandarine? Oh, d'accord, alors je t'écoute. Tu voulais commander quoi? Un jus de mandarine. Mais c'est un hasard. Ne l'oublie pas, je te connais depuis que tu as 4 ans. Je devine à l'avance tout ce que tu vas dire. Salut, Carl. Salut, Alana. Citron vert. Surprise! C'est pas vrai. Ça alors, j'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est complètement incroyable de te voir ici. En fait, j'ai quelque chose à t'annoncer. C'est toi, Alana? Oh, c'est cool que tu sois là. Salut, Jack. Salut. T'es venu pour le festival? James et moi, on a repris l'organisation du festival. On va lui redonner un nouveau souffle. Avec plus de nourriture, de musique, des vendeurs de fleurs, des stands d'expo. Si on arrive à tout finir à temps. Ouais, sinon ce sera un vrai désastre. En tout cas, nous, je suis sûr qu'on va beaucoup s'amuser. On dirait que j'ai choisi le bon week-end pour venir. Le festival, c'est le week-end prochain. Tu pourrais rester jusque-là? Ça va être vraiment génial. Et en rester, mais je suis débordée de travail en ce moment. On a peut-être trouvé un investisseur et on lance une campagne publicitaire. Ouh, est-ce que James et moi, on peut être dans ta pub? Après tout, c'est grâce à toi qu'on est ensemble. C'est vrai, quand on était au lycée, tu m'invitais tous les jours à m'asseoir avec vous pour le déjeuner. C'est parce que t'étais nouveau. Et tu voulais absolument me caser avec lui. J'avais vu comment vous vous regardiez en chimie quand vous partagiez la même paillasse. Eh oui, la chimie opérée. Tes jeux de mots sont toujours aussi nuls. On doit vous laisser. Essaie d'y réfléchir, ce serait super que tu restes. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, salut, bonne journée. Salut, Mika. Allez. Salut. Salut. J'arrive pas à croire que tu sois là. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, en fait... Attends une seconde. Je vois Léa, elle est en face. Je vais enfin pouvoir te la présenter. Ah oui. Tu vas Léa. Tu dois être Alana. Alana, voici Léa. J'ai tellement entendu parler de toi. Papa a de la chance d'avoir une nouvelle voisine aussi sympa. J'ai de la chance aussi.
Je suis vraiment contente de pouvoir enfin faire ta connaissance. Ton père passe son temps à parler de toi. Ah, oui, c'est vrai? D'accord, peut-être un peu beaucoup. Allez, venez, je vous invite. Vous avez envie de manger quelque chose? Oh, un peu de fraîcheur avec Thousand Fresh. Après toi. Ils sont vraiment débiles, mais je reconnais que tes jeux de mots m'ont manqué. Tu es mon meilleur public, tu le sais, ma chérie. Oui, ton père adore faire des jeux de mots avec le nom du restaurant. Moi, non. Ça m'étonne pas. Quoi? Tu adores mon sens de l'humour? On a plein de choses à se raconter. Venez. Ah, il n'y a rien à raconter. Il n'y a pas plus sage que moi, non? Eh oui, c'est ça. Mais c'est vrai, tu t'aimes mon humour quand même. Après vous. Bienvenue. Merci. Je suis tellement content que tu sois là. Moi aussi. La vue est toujours aussi belle, hein? Je m'en lasserai jamais. Mais tu sais ce qu'il y a de mieux que la vue? Non, je t'écoute. Je vais me marier. Quoi? Te marier au banquier qui joue au golf? Papa? Désolé, au golfeur qui travaille dans une banque? Papa! Ah. C'est quoi ce regard? C'est juste que... Ah. Félicitations, tu vas te marier. Oui. Oh, je suis tellement heureux pour toi. Merci. Quand est-ce que je vais enfin faire la connaissance des femmes? Bonne question. Allez, viens, on va t'installer tout là-haut. J'ai droit à la suite des étoiles? Mais rien de plus normal, tu es l'invité d'honneur. Mais je suis pas une invitée, je suis ta fille. Allez, arrête de discuter et monte. Je voulais te prévenir, tu risques d'être un peu surprise. Ah bon? Non, rien de grave, hein. Il y a eu quelques petits changements. Comme tu peux le voir, j'ai transformé la chambre et elle n'a plus grand-chose d'une suite maintenant. Un petit rafraîchissement lui ferait pas de mal. Oui, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais m'allonger sur la plage avec un verre de ta limonade à la mangue. Très bien, c'est noté. Oh, mais d'abord, j'ai quelques appels à passer. Sauf que j'ai pas de réseau. Tu te souviens, on a du réseau que sur la plage. Ça fait rien, je vais envoyer des mails. Alors, malheureusement, ça va te faire rire, mais... Eh bien, en fait, la connexion Internet marche plus. Depuis combien de jours? Combien de jours? Oh, ok, ça va, je te vois venir. Laisse-moi deviner, ça fait au moins un an que t'as plus Internet. Non, je t'en prie, ça fait pas un an. Je dirais peut-être 6 mois tout au plus. Quoi? Mais c'est pour ça que j'arrive jamais à te joindre. Ça faisait partie de mon plan pour te faire venir. Mais tu vois, ça a fini par marcher. Allez, je te laisse t'installer. Heureux que tu sois là. Evan? Est-ce que tu m'entends? C'est... Evan? Evan? Evan, est-ce que tu m'entends? Ah! Attends, je vais t'aider. Merci. Je t'en prie. Je peux te donner un conseil? Au lieu de regarder ton téléphone, admire le paysage. Merci, mais j'ai pas besoin de tes conseils. Tu sais que le soleil va bientôt se coucher? Tu n'as pas un tel spectacle à Chicago. Figure-toi que le soleil se couche aussi à Chicago. Oui, mais c'est pas comparable. C'est pas le même climat. Il paraît que vous avez eu un hiver épouvantable. Ça me dérange pas. J'adore les paysages enneigés. C'est vrai, moi aussi j'aime les contempler. Mais en photo et en étant à la plage. T'as jamais eu envie de quitter la Floride pour vivre à un endroit où il y a des saisons? Il y a des saisons ici. Le pollen, la canicule, les ouragans et le football. Et puis, oublie pas, je suis déjà parti une fois. J'ai emménagé à Chicago pour te rejoindre. Et on sait tous les deux comment ça s'est terminé. Au final, c'était mieux comme ça, non? On est heureux tous les deux. Oh, moi, je suis heureux. Ça ne m'étonne pas, tu peux barboter dans l'eau toute la journée. Ça va peut-être te surprendre, mais je fais aussi d'autres choses. Du style, travailler ton bronzage? La lumière du soleil, c'est mieux que celle des écrans. Mais chacun ses goûts, si t'es heureuse. Exactement, je suis heureuse. Alors c'est parfait. C'est vrai, je suis heureuse. Tu n'avais pas besoin de le répéter pour me convaincre, tu sais. Je voulais que tu saches que j'aime ma vie. T'as des amis sympas? Très sympas, oui. Et ton appli, ça en est où? On se développe. Et ton petit ami, c'est quoi déjà son... On vient juste de se fiancer. Félicitations. Où est la bague? Tu n'as pas de bague. Au revoir, Carl.
Ah, salut. Salut. C'était bien à la plage? En fait, j'ai croisé Carl. Encore une fois. La ville a toujours été aussi petite que ça. Une ville est toujours trop petite quand on essaie d'éviter son ex. Alors peut-être que tu devrais arrêter de l'éviter. C'était ton meilleur ami depuis ton plus jeune âge. Peut-être qu'un jour vous pourriez redevenir amis comme avant. Peut-être un jour, mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est trop tôt. Tu devrais passer moins de temps derrière ton écran. Papa, c'est mon travail. Justement, il faut trouver un équilibre entre la vie et le travail. Carl t'a dit ce qu'il faisait en ce moment? Désolée, papa. Tu sais que j'adore nos conversations, mais on continuera demain. Compte sur moi. Allez, va te coucher. Dans un vrai lit, pas sur le canapé. Et ne passe pas la nuit à travailler. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Trésor. Je suis très heureux pour tes fiançailles avec Evan. Mais tu crois pas qu'il serait temps que je le rencontre? Lui aussi, il a hâte de te rencontrer. Bonne nuit. Éteins cet ordinateur. Bonjour, papa. J'ai réparé Internet. Quoi? Comment? J'ai débranché le modem et ensuite je l'ai rebranché. Ma fille est un génie. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des affaires de toilette, alors je suis allée en ville et au retour, j'ai vu un flamant rose. Ça m'avait manqué de voir des flamants roses comme ça au milieu de la route. On s'est regardé un instant, j'ai levé le pied, je me suis arrêtée, mais il n'a pas bougé. Alors, lequel de vous deux a baissé le pied en premier? Papa, tu vis de quoi maintenant que tu as fermé les chambres d'hôtes? Oh, j'avais mis de l'argent de côté en cas de besoin. Mais c'est pas un puits sans fond et j'ai déjà largement tapé dedans, alors... Mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour faire les travaux de rénovation. Et... Enfin, j'y ai beaucoup réfléchi et en fait, je pense que ce serait peut-être mieux de... Voilà, je pense sérieusement à vendre. Tu veux vendre la maison? Mais tu adores avoir des hôtes et... C'est chez toi, c'est chez nous, c'est notre maison. Je sais. Et je n'oublie pas non plus que tu as toujours dit que tu voudrais te marier ici, comme ta mère et moi, alors... Mais t'inquiète pas, si tu en as toujours envie, pas de problème, on attendra. On attendra pour mettre une annonce, je te le promets. Il faut que j'en parle avec Evan, mais en tout cas, quoi qu'on décide qu'on se marie ici ou qu'on la mette en vente, il va falloir rénover la maison, pas vrai? Donc on pourrait peut-être commencer par là et voir ensuite ce qu'on fait. Très bien, retapez la maison. On va préciser les travaux, le calendrier et le budget. Et j'insiste, je sais que tu as de l'argent de côté, mais je veux participer. Non, non, je t'arrête, c'est très gentil de ta part, mais ce sera non. On en discutera plus tard. Alana. Alors, par quoi on commence? Il faut refaire les peintures, revoir un peu la déco, s'occuper du jardin et changer le mobilier. Tu sais par quoi on va commencer? Par se détendre. Ensuite, un petit café. Oui. Pour moi. Tu poses cette tasse, t'en as bu assez. On va aller en ville, au magasin de bricolage, chez le fleuriste, voir les meubles à la boutique de Mel, hey, et ensuite... Salut Léa. Salut vous deux. Je vous ai apporté des oranges, les ai cueillies ce matin. Oh, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous allez où comme ça? Vu l'extrême précision du planning, je dirais au lancement d'une fusée. Je vais chercher ton café. Sérieux? Merci. Alors, contente d'être de retour? Comment ne pas l'être avec une vue pareille? Mais j'imagine que tu sais ce que c'est. Papa m'a dit que t'avais grandi en Floride. Oh, oui, c'est vrai. J'ai grandi dans la région, mais sur la côte atlantique. Et... Pendant toute mon enfance, j'ai rêvé de partir dans une grande ville. Oh, je sais ce que c'est. Donc, dès que j'en ai eu l'occasion, je suis partie à New York. J'ai fait des études de droit, je me suis spécialisée dans le foncier, je bossais comme une folle. Ça aussi, je sais ce que c'est. Je retournais régulièrement chez moi. Et j'étais toujours triste au moment de repartir. Mais à chaque fois, je me disais, ici, c'est loin du vrai monde. C'est loin de la vraie vie. C'est bien pour les vacances. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli faire une dépression après une peine de cœur. Ma famille me manquait, et j'ai fini par comprendre que ma vie à New York ne me correspondait pas. T'as tout laissé tomber pour revenir en Floride? Oh, j'ai surtout eu la sensation d'être libre, mais... Oui. Je me sens très bien dans cette ville. J'oublie mon chagrin. Ton café. Oh, merci. De rien. Je vais devoir retourner au restaurant, mais vous viendrez tout à l'heure? Ouais, oui, avec merci. Plaisir. On viendra. Génial. Salut. Tout à l'heure. Est-ce que Léa passe te voir tous les matins? Non, parfois c'est moi qui passe chez elle, on aime. Lire le journal ensemble, faire du yoga. Du yoga? Oui, du yoga. Pourquoi? Quoi? Non, rien. Comment ça, rien?
Oh, c'est Evan. Ouais, vas-y, réponds. Je te le passe. Tu veux lui parler, oui, ok? Oui, évidemment. Quelle question. Allô, Evan? Devine avec qui je suis. Evan, bonjour. Heureux de te rencontrer, enfin, au téléphone. Moi aussi, monsieur. Et je t'en prie, m'appelle pas monsieur, appelle-moi Mika. Et j'espère que j'aurai bientôt le plaisir de te rencontrer en personne. J'espère aussi. Je regrette de vous avoir manqué quand vous êtes venu à Chicago. Oui, moi aussi. Et félicitations. Merci beaucoup. Je vais aller me préparer. Ok. Alors, ton père est content? Oh, tu peux pas savoir à quel point il est super content que je sois là. Ah, c'est génial, mais... Je parlais de nos fiançailles. Oh, il est vraiment ravi, on a commencé à parler du mariage. Et d'ailleurs, nous aussi, on va devoir parler de l'organisation, mais il faut que je te laisse, on doit aller en ville. D'accord. Je t'appelle ce soir. À ce soir. Génial. Bye. Tout regarde, c'est Sam. Ah oui? Je vais lui annoncer mes fiançailles. Salut. Salut. Ça va? Salut. Je ne reviens toujours pas que tu sois là. Eh bien, justement, je suis rentrée pour une raison bien précise. Je voulais te l'annoncer en personne. Ruth, je vais me marier. Au banquier qui joue au golf? Sam, c'est au golfeur banquier. Oh, papa. Félicitations. Félicitations, merci. On est ravis pour toi. Et où est ta bague? Il faut la faire ajuster. Ah. Et vous, comment ça se passe, les préparatifs? Oui, vous en êtes où? En fait, c'est super stressant. On avait choisi un lieu, mais ils ont annulé. Oh non, je suis désolée. On ne sait pas quoi faire. Vous savez à quel point le festival est important, pas juste pour le commerce, mais parce que les habitants y tiennent beaucoup. Alors, comment on peut vous aider? En nous trouvant un nouveau lieu. Désolée, je ne suis pas magicien. Autre chose, peut-être? Merci, mais on trouvera une solution. Ouais, on espère. Ouais. Si je peux faire quoi que ce soit avant mon départ, n'hésitez pas à me le dire. Oui, c'est gentil. Merci. Courage. À plus tard. À plus tard, salut. Limonade à la fraise. Toute fraîche. Toute fraîche. Parce qu'aux fraîches, les boissons sont fraîches. La carte. Merci. Merci. Désolée, je reviens un peu plus tard, je suis débordée. Attends, si tu veux, je peux te donner un coup de main. D'accord, merci. Je m'en occupe. Salut. Assieds-toi. Ne te gêne pas, surtout. Merci, c'est gentil. Alors, tu vas te marier? Même pas bonjour avant? Eh oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Par mon application. Ah, oh, donc ça marche? Waouh! Même si apparemment tu en doutes, oui, ça marche. On rapproche des gens compatibles qui vivent dans le même secteur, comme Evan et moi. Alors, t'as enfin trouvé l'âme sœur. Comme quoi, c'est juste une question de code postal. Ah, l'avantage de l'appli, c'est qu'elle élimine les relations vouées à l'échec, comme par exemple... Oh, comme les relations à distance? Exactement. Tu sais, les relations à distance ont des points positifs. Les lettres d'amour, les petits colis, les moments où on se retrouve, c'est très romantique. C'est très romantique, mais c'est surtout compliqué. Voilà, je sais enfin pourquoi t'es revenue. Pour organiser le mariage chez ton père. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu en as toujours rêvé. Oui, avant. Mais mon père envisage de vendre la maison et... Tu étais au courant? Je sais que ça n'a pas été facile pour lui sans ma mère. Mais ses chambres d'hôtes, c'est sa vie. Et je pense que s'il voyait la maison à nouveau pleine de monde et débordante de vie... Carl! Eh bien alors, t'es pas en mer? Il faut que j'y aille. Au revoir. On sort bientôt ensemble. Ça va. Papa, j'ai une idée. Ça m'inquiète un peu, mais je t'écoute. On pourrait faire le festival de l'orchidée à la maison. Ce serait vraiment l'endroit parfait. Ma chérie, je serais ravi de les aider, mais la maison a besoin de travaux et le festival est dans quoi? Une semaine? Ça nous laisse juste le temps de finir. Peut-être, c'est possible, oui. À condition d'avoir un peu d'aide en plus. Ah. Eh oui, voilà ce que je te propose. Je veux bien accueillir le festival si tu restes et que tu m'aides. Je pourrais pas rester toute la semaine. Ni moi faire ça tout seul. Tu veux me faire culpabiliser pour que je reste? Non, je veux pas te faire culpabiliser. Je te provoque. Ah, d'accord. Si je reste, on pourrait aller à la cérémonie des lanternes. Quand est-ce que tu y es allé pour la dernière fois? Avec toi et ta mère. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Tu restes? J'en dis que si on veut que tout soit terminé à temps, on devrait commander à emporter. À emporter. Ouais. Allez, c'est parti.
quoi? T'as déjà commencé? Tu sais ce qu'on dit? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça y est, tout est prêt pour la peinture et je pense que demain on pourra aller chez le fleuriste. Où est-ce que t'as appris à bricoler? Maman et toi, vous m'avez appris 2-3 trucs. Oui, du style engager un professionnel. Bonjour. Bonjour Léa. Wow, vous êtes déjà au travail? Oui. Je suis là alors, je vais vous aider. Oh. T'as déjà bien assez à faire au restaurant, ça va aller, t'inquiète. Oh oui, mais ça me fait plaisir. Si tu veux, tu peux me remplacer. Vous devriez faire équipe tous les deux. Vous pourriez peindre les portes. D'accord. Ouais, génial. Le pinceau ou le rouleau? Plutôt le rouleau. J'ai entendu dire que vous faisiez des travaux. Je peux aider? Merci, mais ça va aller. On serait vraiment ravis que tu nous aides et d'ailleurs, tu pourrais faire équipe avec... Alana. Génial. Génial. Tu sais s'il y a quelque chose entre mon père et Léa? Non, ils sont juste amis. Ils formeraient un beau couple. Pourquoi ils ne sortent pas ensemble? Sans doute parce que notre spécialiste des couples ne s'en est pas encore mêlé. Alors heureusement pour eux que je suis là. Alana, je sais ce que tu as derrière la tête. Tu espères qu'en accueillant le festival ici, ça va donner envie à ton père de rouvrir les chambres d'hôtes. C'est vrai. Je peux pas m'imaginer qu'il puisse vendre. Il me l'a jamais dit ouvertement, mais ça lui manque. Du coup, j'ai envie de vous aider, du mieux que je pourrais. Merci. On a une tonne de travail. La déco, le jardin, les meubles, on va se diviser pour mieux régner. Ou alors, on pourrait allier nos forces. Tu étais ma meilleure amie. On peut redevenir amis. Il faut que ça sèche avant de mettre la deuxième couche. Donc, c'est quoi la suite? Je vais passer chez le fleuriste. Tu peux commencer à désherber. Je pense que le fleuriste est fermé à cette heure-ci. Alors je vais en profiter pour travailler. Je dois mettre à jour le logiciel. Sinon, on pourrait faire un truc sympa. Comme du kayak. Oh. Ça fait combien de temps que t'en as pas fait? Ça fait très longtemps. Mais je suis pas sûre d'en avoir envie. D'accord. Alors une promenade? Sur l'acheter? T'as forcément envie de revoir l'acheter. Je me rends compte que j'ai tellement été absorbée par les travaux et ma vie qu'on n'a pas parlé de toi. Alors, quoi de neuf? Est-ce que tu répares toujours de vieux kayaks? Donc, si je comprends bien, t'as pas pris de mes nouvelles depuis 8 ans. Après notre rupture, j'ai dit à mon père que je voulais plus entendre parler de toi. Mais on a fait la paix. Alors, t'es toujours dans les kayaks? Oui, entre autres. Je fais aussi des planches de paddle et je vais me lancer dans les planches de kitesurf. Wow, c'est super! Tu les fabriques dans ton garage ou dans... J'ai un petit atelier. Oh, ça se vend bien? J'arrive à en vivre. Oh, félicitations, je suis contente pour toi. Merci. Moi aussi, je suis content pour toi. T'as la vie que tu souhaitais. Une grande ville, un fiancé. Et toi? T'as une copine? Oh, pff, non, pas vraiment. Je sortais avec une fille, mais ça n'a pas marché. Et il faut que je t'avoue que... je me suis inscrit sur ton appli. Oh, t'es sur mon appli? Et t'as pas encore trouvé ton âme sœur de code postal? Non, j'ai pas eu autant de chance que toi. Alors, il est comment, ton fiancé? Oh, il est génial. Il est gentil, il est brillant. On s'amuse beaucoup ensemble. Est-ce que tu es follement, passionnément amoureuse de lui? Il faut forcément de la folie et de la passion pour qu'une relation fonctionne bien. Ça dépend de ce que tu cherches. Une relation aussi fusionnelle que celle de mes parents, et je pensais l'avoir trouvée avec... Je n'ai pas besoin de passion ou de fusion. En fait, j'ai juste envie d'être heureuse. Mais est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis heureuse. Pour être heureux, tout n'a pas besoin d'être parfait. Il suffit d'accepter que des imperfections puissent exister. Il y a toujours le vendeur de bonbons et celle de mer? Je savais que tu me poserais la question.
fait la course jusque là-bas? J'ai passé l'âge de faire la course. Allez, raconte. René. Il y a rien d'officiel. Mais tu sais que le frère du meilleur ami de mon coloc travaille pour le groupe Atlas. Il a entendu parler d'un contrat en discussion. Un contrat? Quel genre de contrat? Un contrat pour financer l'expansion de Closer. C'est pas vrai, c'est vraiment génial. Mais il n'y a rien d'officiel, c'est peut-être juste une rumeur. Même si c'est le cas, c'est une super nouvelle pour nous. Il a dit que leur PDG avait adoré le fait que t'aies rencontré Evan sur l'appli. Et quand ils sauront que vous êtes fiancés, ça jouera forcément en notre faveur. On y est presque. Oui, j'espère. Parce que même si je ne doute pas de ce que dit le frère du meilleur ami de ton coloc, rien n'est encore certain. Je dois retourner à mes pots de peinture. Je te rappelle plus tard. D'accord. Je te tiens au courant dès que j'ai des infos un peu plus officielles. D'accord. Bye. Ouais, c'est pas mal, c'est assez flashy. Ça rappelle la mère optimale. Oui, c'est vrai. Je vais faire le bas. Merci, tu m'as sauvé de la surveillance d'Alain. Salut. Salut. Ça avance de votre côté? Ça avance très bien, ouais. D'ailleurs, tu sais quoi? On s'éclate, c'est vrai, je t'assure, on s'éclate. Cool. Au fait, est-ce que tu as pu voir avec Mel pour les meubles? Ouais, son magasin est fermé aujourd'hui, mais j'y passerai demain. Ok, parfait. En attendant, on pourrait peut-être commencer à s'occuper du jardin. On va chez le fleuriste? J'aurais aimé venir, mais je dois retourner au restaurant. Oui, Sam et James veulent qu'on parle du festival. Du coup, je vais y aller avec Léa. Salut. Désolé, je suis en retard. J'étais retenu au travail. Pas de problème, j'allais partir chez le fleuriste. Oh, bah alors je t'accompagne. Super. Je prends mes clés de voiture. Tu sais, le fleuriste livre à domicile. Back when we were kids, stars in our eyes so big, running around chasing down every dream. Nothing in our way, stealing all the light from the day. I haven't felt that feeling in so long. And it's like, la dernière fois que j'ai fait du vélo, c'était avec toi. Ouais, et d'ailleurs, tu te souviens de la fois où tu as décidé de fermer les yeux et que t'as failli te casser la jambe? Oui, je me souviens, tu m'avais dit que je serais pas capable de le faire. Quoi? Non, après je t'avais dit de pas le faire. Arrête, c'est pas vrai. En plus, il y avait un temps de la taille d'une balle de golf qui s'était mis à me tourner autour. Et moi, j'essayais de chasser le temps. C'était une bonne idée de se faire livrer. Ça faisait beaucoup de fleurs pour une voiture. Je voulais en parler à ton père. Je voudrais participer financièrement. Oh, c'est très gentil de ta part, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, chez toi, c'était un peu ma deuxième maison. J'y ai passé toute mon enfance. Laisse-moi vous aider. Ça me touche beaucoup. Mais non. Ces fleurs étaient les préférées de ma mère. Elle en avait dans le jardin. Elle avait la main verte. Comme quoi, c'est pas héréditaire. Dès que j'achète une plante d'intérieur, on dirait qu'elle fait exprès de mourir très vite. Ma mère disait que les orchidées, c'était comme l'amour. Elles grandissent très vite, elles s'épanouissent facilement. Et ne meurent jamais. Tiens. Elle sera très jolie dans tes cheveux. Excusez-moi. Tu roules pas droit. Hé, hey, monsieur Kayak, faut que je te parle. T'as une minute? C'est le type qui vend mes kayaks. C'est génial. Oh, vas-y. Ok. Je t'attends là, d'accord? Super. Quelle surprise! Vous faites du vélo ensemble? Non, en fait, Carl nous aide avec les travaux de la maison. Oh! Arrête, Sam. Mm-hmm. C'était mon meilleur ami et on essaie de se réconcilier. Mm. C'est vraiment cool que Carl arrive à gagner sa vie avec sa passion. Quoi? Il t'en a parlé? Oui, évidemment. Super, ça me soulage. Je sais que pendant longtemps, vous aviez coupé les ponts. Du coup, j'avais l'impression que t'étais la seule à pas être au courant.
De quoi tu parles ? Alana ! Bess ! Tu es de retour et tu n'es pas encore venue me voir à la boulangerie. Oh, Bess, oh. Tu m'as tellement manqué. Ta tarte au citron est toujours aussi bonne. Je retrouve un vrai goût d'enfance. De tous les enfants qui venaient, vous étiez les plus mignons. Tu te souviens de l'été où Karl m'aidait à la boulangerie? Il s'était donné un mal fou pour arriver à te faire une bague de fiançailles au chocolat. Avec une feuille de cacao à la place du diamant. Et toi, tu l'as mangé au lieu de la mettre au doigt. Oui, mais ça coulait. C'est les lanternes. Je les ai faites moi-même pour la cérémonie. Est-ce que vous allez venir? J'aimerais bien. Je voudrais en allumer une avec papa. Tu sais, je suis pas sûre qu'il soit prêt à le faire. Je sais. Mais j'espérais que le fait d'être à ses côtés... Je comprends. On verra. Quoi? Mais rien, c'est juste que... J'ai passé une belle journée. Moi aussi, j'ai passé une belle journée. Ton père attend quelqu'un? Non. C'est Evan. Salut. Surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, en fait, t'avais envie que je rencontre ton père, alors je me suis dit... T'as bien fait. Waouh. Karl, voici Evan, mon fiancé. Evan, je te présente Karl. Mon ami d'enfance. Ravi de te rencontrer. Salut, Karl. Oh, j'en reviens pas que tu sois là. Eh oui, je suis là. Bon, bah, je vais vous laisser. Je dois rentrer. J'ai du travail qui m'attend. D'accord. Salut, Karl. Je suis tellement content de faire enfin ta connaissance. Moi aussi, d'ailleurs. Je vous présente mes excuses. J'aurais dû venir vous voir et vous demander la main de votre fille. C'est difficile de savoir quoi faire des traditions dans une relation moderne. Sa main lui appartient, t'as pas besoin de me la demander. Si tu fais son bonheur, tu fais le mien. Savoir qui on va épouser, c'est la décision la plus importante qu'on puisse prendre dans une vie. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de connaître le vrai bonheur. La maman d'Alana a été le grand amour de ma vie. Dès notre première rencontre, je l'ai su. Entre nous, il y avait cette magie incroyable. Je sais même pas comment la décrire, mais... Je parle trop, désolé. Et vous deux, vous vous êtes rencontrés sur l'appli d'Alana? C'est oui. Ça? Génial. Allez, racontez-moi votre premier rendez-vous. C'était comment? Il y a eu un coup de foudre? Les yeux qui brillent? Des papillons dans le ventre? Eh bien, en fait, il nous a fallu du temps. Notre premier rendez-vous a été assez chaotique. On est allé jouer au golf. Et Alana était très critique sur mon swing. Oui, il y avait de quoi. Et ensuite, on était mal à l'aise et... J'aurais jamais imaginé qu'elle accepterait de me revoir. Mon ami René m'a convaincu de lui laisser une seconde chance et... Merci, René. Waouh. En tout cas, tout semble s'être arrangé depuis. Et si vous décidez de vous marier ici, je serai heureux de tout organiser à la maison. Ici? Tu sais, à propos de ce que ton père a dit tout à l'heure, si t'as envie qu'on se marie ici, ça me va très bien. Merci. Mais je sais pas encore. Quand j'étais ado, j'ai toujours rêvé de me marier ici, comme mes parents. Maintenant, je sais plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? J'en sais rien.
Et on aura tout le temps de discuter du mariage. Pour l'instant, profitons simplement de nos fiançailles. Oui, d'accord. Puisqu'on en parle... Elle est magnifique. Alors, c'est là que t'as grandi? Ah, c'est très beau. Oui. J'ai compris une chose. Le fait d'être de retour après si longtemps m'a fait réaliser que même si j'adore Chicago, je m'y sentirai jamais chez moi comme ici. J'ai envie de revenir plus souvent, et même, peut-être un jour, revenir vivre ici. Venir vivre ici? Alana, on peut pas vivre en Floride. Pourquoi pas? Mais parce que notre vie est à Chicago. Notre avenir professionnel est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? À part regarder le coucher de soleil? On pourrait construire notre vie ici. Non, c'est pas très réaliste. Salut! Evan, voici Sam, ma meilleure amie. Sam, voici Evan, mon fiancé. Salut. Salut. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Sois le bienvenu en Floride. Merci. Tu seras là pour le festival de l'orchidée et la cérémonie des lanternes? J'ai oublié de te demander jusqu'à quand tu restes. Une seconde. C'est un appel du travail, j'en saurai plus sur mes dispos. Excusez-moi. Allô? Non. Quoi? Non, rien. Je suis vraiment heureuse. J'en reviens pas. Ça y est, tu vas te marier. Oui. C'est juste qu'au fond de moi, j'ai toujours espéré que tu finirais avec... Non, arrête. Carl? Je dois retourner à la boutique. Comment ça se passe? Très bien. J'en sais rien, je dois te laisser. Salut, ça va? Ça va. J'étais en train de montrer la ville à Evan avant de rentrer commencer les plantations. Oh, ok. Cool, j'imagine que vous êtes assez nombreux pour les travaux. Je crois que je vais faire un peu de paddle. Ah, Carl adore tous les sports nautiques. Ah. Alana aussi adorait tous les sports nautiques. Oh. C'est vrai? Je le savais pas. J'en apprends des choses sur toi. Et toi, est-ce que tu fais du kayak ou du paddle? Non, mais je joue au golf. La plupart du temps avec Alana. Tu joues au golf? Oui. Au golf? Oui, au golf. C'est l'équivalent du kayak quand on ne vit pas au bord de la mer. Mais tu vis au bord d'un lac, alors pourquoi tu fais pas du kayak? Je t'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas comparer le lac Michigan avec la mer en Floride. Mais maintenant que t'es là, pourquoi tu veux pas faire du kayak? Tu sais qu'il y a plus d'alligators, les requins les ont tous mangés. On va aller manger un morceau au resto de Léa. Ah, bah d'accord, à plus tard. Salut. Asseyez-vous où vous voulez, j'arrive tout de suite. Merci. C'est vrai. On se met là? Au fait, comment t'as connu Carl? C'était mon meilleur ami quand j'étais petite. Ensuite, on est sortis ensemble au lycée. On a eu une relation à distance pendant mes études. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il est venu vivre à Chicago pendant un an. On a tout fait pour que ça marche, mais on n'a pas réussi. Pourquoi? On avait évolué différemment à cause de la distance. Peut-être que notre couple ne fonctionnait qu'ici. Il n'y a plus rien entre nous, promis. Mais ça t'a inspiré une appli basée sur la proximité. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Enfin, si. C'est la relation à distance qui m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres facteurs à prendre en compte que le simple fait d'être follement amoureux. Comme quoi? Comme le côté pratique, ou la compatibilité. Alors, vous savez ce que vous voulez? Vérifier si tout va bien au bureau, d'accord? D'accord. À tout à l'heure.
T'es là? Ça va pas? Il y a quelques jours, tout avait l'air absolument parfait entre Evan et moi. Et maintenant, on dirait que les fiançailles nous ont éloignés l'un de l'autre. Quoi? Chérie, je pense que tu voulais que tout soit parfait. J'en suis même sûr. Mais il me semble, d'après ce que j'ai pu voir entre vous, que tous les deux vous êtes de très bons amis, plus qu'autre chose. Mais on n'est pas censé épouser son meilleur ami? Si, bien sûr. Oui. Mais on est aussi surtout censé être amoureux de cette personne. Parler? Oui. Tu veux me parler de Carl? Non, il s'agit de nous deux. Et surtout de moi. En arrivant ici, je me suis mise à réfléchir à notre mariage, à l'amour, à ce que je voulais quand je vivais ici et... J'ai compris que c'était toujours ce que je voulais. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun, tous les deux. On est très complices, on est compatibles et on se respecte profondément. Mais ça suffit pas. Non. Il nous manque le véritable amour. Je mérite de connaître le grand amour. Et toi aussi, tu le mérites. Je sais que c'est pareil pour toi, il nous manque quelque chose. Oui, il nous manque quelque chose. Mais je voulais pas le voir. Tu es ma meilleure amie. Et je resterai toujours ton amie. Salut ma chérie. Comment tu te sens? J'ai pris la bonne décision. Allez, viens. Assieds-toi à côté de moi. Comme avant. Allez, viens là. Je t'écoute. J'ai toujours eu l'image de maman et toi tellement amoureux. Je rêvais du grand amour, moi aussi. J'ai cru que je l'avais trouvé avec Carl, mais ça s'est mal fini. Je me suis dit que ça n'existait que dans les contes de fées. Ça existe vraiment, pas que dans les contes de fées. Peut-être que si, justement. Chérie... Je l'ai connu et je l'ai perdu. Tu l'as connu et tu l'as perdu. Peut-être que dans la vraie vie, ça ne marche pas, que c'est pas réaliste. Malgré ça, je me vois pas vivre autre chose. Bien. C'est ça qui colle pas. Je passe mon temps à essayer de me raisonner, mais... Je rêve toujours d'un amour de contes de fées. Et tu as raison. Je ne cherche plus l'amour parfait, je veux juste... trouver l'âme sœur avec qui je partage le reste de ma vie. Rien que ça. Je sais qu'on dit qu'à trop vouloir une chose, elle finit par nous échapper. Mais je suis pas sûre que ça ait du sens. Non. Est-ce que tu connais cet adage que ton père a inventé? Toi, t'as inventé un adage? Eh oui. On trouve l'amour quand on s'y attend le moins. Par exemple, quand ton ex quitte la Floride. Tu te moques de moi, je te crois pas, tu viens de l'inventer. Même si je trouve le grand amour, j'ai le cœur brisé, ça fait mal. Je sais. Mais, écoute. Tu trouveras l'amour dont tu as toujours rêvé. Comment tu peux le savoir? Je sais, un père sait ces choses-là. Et à propos de cœur brisé, tu te souviens de la phrase que je te disais quand t'étais petite? Sans la pluie, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. C'est vrai. Allez, viens là. Je t'aime. Ça va aller. Et maintenant, tu vas prendre un vrai jour de congé, d'accord? Non. Quoi? J'adorerais me lamenter sur mon sort, mais on n'a plus que 4 jours avant le festival. Justement, 4 jours, donc t'as tout le temps. Non, laisse-moi un petit moment et je te rejoins dehors. T'as 2 minutes. Ça ira.
D'accord. Salut. Salut, c'est moi. Ça va? Je voulais prendre de tes nouvelles. C'est gentil, merci. Ça peut aller, j'essaie de m'occuper. Alors écoute, j'ai une nouvelle qui pourrait te changer les idées. Alors là, je suis preneuse. Atlas vient d'appeler, ça y est, on a gagné. Ils nous envoient le contrat, ils adorent notre appli, notre présentation. Et le fait que j'ai rencontré Evan sur l'appli. Oh. Excuse-moi, oui, c'est vraiment une super nouvelle. Je te transfère le contrat par email. Ils veulent qu'on commence immédiatement. Super. Alana. Ça y est, on a enfin atteint notre objectif. C'est vraiment génial. Oui, je sais. C'est génial. Je te rappelle plus tard. Salut. Hey, tout va bien? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Oh, d'accord. On a convaincu les investisseurs. C'est vrai? Oui. Oh, ma chérie, je suis tellement fière de toi. T'as réussi. Tu es mon petit cupidon numérique. C'est une super nouvelle. C'est ce que tu voulais, non? En fait, j'en sais rien. J'ai rompu, alors je suis plutôt mal placée pour former des couples. Non, non, confonds pas tout. Écoute, tu es la meilleure. C'est grâce à toi si Sam et James sont ensemble. Et je sais que tu crois en l'amour, c'est le principal. Tu devrais l'offrir à Léa. Elle serait très belle dans ses cheveux. T'es vraiment incroyable. Même si tu n'étais pas qualifiée pour jouer les Cupidons, tu serais incapable de t'en empêcher. Salut, Carl. Salut. Salut. Je suis désolé. C'est une petite ville, tu sais comment ça se passe. Les rumeurs vont vite. Tu veux en parler? Non, non, je préfère pas. Même à ton meilleur ami? À mon meilleur ami? Non. Mais je suis contente d'avoir quelqu'un sur qui compter. Vous avez fait du bon travail. C'est pas mal, hein? Ouais, vous avez presque fini. Oh, tu rigoles, Mel va nous livrer les meubles demain, ça va être un vrai déménagement. Et ensuite, on aura le festival à préparer. Alors, si je comprends bien, là tout de suite, t'es libre, t'as rien à faire. Non, j'ai des millions de choses à faire, je dois finir de planter toutes les fleurs, répondre à mes emails, passer des appels, travailler sur le logiciel, j'ai pas arrêté de remettre tout ça à plus tard depuis mon arrivée, c'est l'horreur. Bon, et dans ce cas, t'es plus à ça près, accorde-toi une heure ou deux. Regarde, le soleil brille, la mer est calme. Ils sont superbes, ces kayaks. Ils sont très légers. C'est toi qui les as créés? Ouais. Je trouve ça génial. Tu crées des kayaks, tu as ta propre entreprise. J'ai essayé de suivre ton exemple. T'es prête? Oui, je suis prête. Agréable. La chaleur du soleil, les vagues, la lenteur du geste, je me sens tellement... En harmonie. Je trouve ça bizarre. T'adores les sports nautiques. Alors pourquoi t'as arrêté? Quand je suis arrivée à Chicago, j'ai essayé d'en faire aussi souvent que possible. Du kayak, du paddle, du ski nautique, de la voile. J'avais l'impression de garder un lien avec la Floride. Avec l'océan. Et avec toi. Dès que j'étais sur l'eau, j'avais l'impression que tu étais là avec moi.
C'est le fait de te sentir aussi proche qui m'a poussée à arrêter. Et moi, c'est pour ça que j'ai jamais arrêté. J'ai passé une très belle journée. Et j'adore tes kayaks. Tant mieux. Alors je t'en offre un. Je te l'enverrai à Chicago. J'ai cherché comment l'appeler et cette journée m'a inspiré le nom parfait. Donc tu l'as mérité. Merci. Mais tu sais que je ne fais plus de kayak depuis longtemps. Peut-être que tu reprendras. Et quel nom tu as choisi? Pour le kayak? Ah, ça c'est une surprise. Une autre surprise? Comme le fait de me dire un jour un truc gentil. Ben comme ça, ça te fait deux surprises à attendre. Allez, c'est parti. Où tu veux que je la mette, ici? On va plutôt la mettre là. C'est bon, tu le tiens? Non, voilà. Ce serait mieux de travers. Non. On le remet droit. Papa. Quoi? On a dit que vous le mettez là. On avait dit sur le fauteuil, pas sur le canapé. Non, 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 non. Ça va? Mais je fais une pause. Oh. Wow. Ça va? Oui, mais je me rappelle avoir fait la même chose avec ta mère quand on a emménagé ici. Et puis ensuite, quand on a changé la déco. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs. Sans compter tous ceux qu'on va pouvoir se fabriquer. Ouais. Tu sais, si je suis pas revenue plus tôt, c'est parce que je pensais que ce serait trop dur. Mais maintenant que je suis là, je réalise que si je refuse d'affronter les difficultés de la vie, je serai pas non plus capable de vivre les belles choses. Et je veux pas prendre le risque de passer à côté. Non. Et je veux pas non plus que toi, tu passes à côté. Tu as tellement de qualités. T'es quelqu'un de très généreux, tu as beaucoup d'amour à offrir, alors te prive pas. Toi, t'essaies de me faire passer un message. Tu parles toujours des chambres d'hôtes. Oui, justement. C'est à toi seul de prendre la décision, mais... je préférerais que tu vendes pas. Et je reconnais que je faisais aussi allusion à Léa. Je trouve que vous iriez super bien ensemble. Vous êtes voisins, vous êtes compatibles. J'ai rien dit, c'est pas ça qui compte. Non, ce qui compte, c'est qu'entre vous, il y a cette petite étincelle. Les yeux qui brillent, les papillons dans le ventre. Comment ça se fait que t'es aussi merveilleuse? Ça doit venir des gènes. T'as sûrement hérité ça de ta mère, c'est vrai. À ce propos... Oui? Je sais pas si c'est le bon moment, mais je voudrais qu'on aille à la cérémonie des lanternes. Je voudrais allumer une lanterne pour maman. Je peux réfléchir avant de te répondre. On a déjà plein de choses à organiser. Bien sûr. Allô? Salut. Atlas veut savoir où on en est avec le contrat. Tu l'as lu? Tu l'as signé? Je l'ai parcouru en vitesse, mais... Et si l'appli ne marchait pas? Comment ça? Bien sûr qu'elle marche. Regarde tous les couples qu'on a réussi à former. D'ailleurs... Monsieur, je travaille juste en face, m'a envoyé un bouquet d'arômes ce matin. Ce sont ses fleurs préférées? Et tes préférées? Exactement. D'accord, je veux pas dire qu'aimer les mêmes fleurs, ça fait de nous des âmes sœurs, mais j'essaye de te faire comprendre que c'est pas parce que ça a pas marché pour Evan et toi que l'appli marche pas dans l'absolu. Je t'assure que ça ne vient pas de mon échec avec Evan.
Ce qui me préoccupe, c'est qu'on diffuse une appli qui pousse les gens à croire que l'amour est une question de compatibilité et de proximité alors que c'est faux. Alana, je sais pas ce qui te fait dire ça. En tout cas, quoi que tu décides de faire, t'as mon soutien. Mais je crois en cette appli et je veux signer ce contrat. Je te rappelle plus tard. Ce fauteuil sera très bien ici. Voilà. Juste là. Comme ça, il va avec le canapé. C'est parfait. Ensuite, cette étagère, il faudrait la remplir un peu. Ah, cool. Bon, alors, je vais mettre l'étoile de mer. Bah, ici, voilà. Qu'est-ce qui va pas? On a trouvé un investisseur pour développer l'appli au niveau national. Ah, félicitations. Mais t'as pas l'air contente. Le problème, c'est que l'appli forme des couples en se fondant sur leur compatibilité. Mais pas sur l'amour. Parce qu'une application, ça ne peut pas quantifier l'amour. En amour, y a pas de règles. Peut-être que tout ce qu'on va réussir à faire, c'est former des couples qui ne s'aimeront jamais. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Mais même si c'était le cas et que votre application formait des couples mal assortis, je suis sûr que le destin interviendrait. D'après ce que tu m'as dit, tu crois profondément en l'amour. Alors t'inquiète pas, il trouvera toujours un chemin. Même si tu t'en mêles pas. Waouh ! Quel changement, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Allez, c'est l'heure de se préparer. Pourquoi ? La cérémonie. Soyez les bienvenus. Je suis heureuse que vous ayez tous pu venir. Vous savez que c'est l'une de nos traditions les plus importantes. Nous mettons ces lanternes à l'eau pour honorer ceux qui nous sont chers. Pas uniquement les disparus que nous portons dans nos cœurs, mais aussi ceux que nous aimons et qui sont présents. Que ces lanternes nous rappellent que c'est l'amour dans nos cœurs qui éclaire le monde, que cette lumière nous guide. C'est le moment. Allumons les lanternes. Attendez. C'était la fleur préférée de ta mère. Allons-y.
fait très plaisir qu'on passe du temps ensemble. Je me rends compte que quand t'es là, eh ben, j'ai l'impression de me sentir encore plus chez moi. Des boissons fraîches de Sausson Fresh? J'en reviens pas que les jeux de mots de mon père te fassent rire. Oh, il est tellement content quand on rit à ses blagues. C'est vrai qu'il a l'air heureux. Ça me fait vraiment plaisir. À propos de mon père, t'as rien à me dire? Si, je voudrais te poser une question. Tu nous donnes ton feu vert? Bien sûr que oui. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Je t'avoue que ça me soulage de le savoir. Et toi, t'en es où avec Carl? Qui sait ce que l'avenir vous réserve? Oui, qui sait? En tout cas, moi, j'en sais rien. De toute façon, je repars dans 2 jours. Et ça te fait quoi de repartir? Très franchement, j'ai envie de rester. Léa, quand t'as décidé de quitter ta vie à New York pour revenir ici, comment t'as su que c'était la bonne décision? J'en savais rien. C'est un peu comme en amour, tu sais. Quand on fait le grand saut, on sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Il faut avoir confiance. Et si on n'y arrive pas? Alors, dans ce cas, il faut écouter sa conscience et se demander si on a plus à y gagner qu'à y perdre. Allô, René? Salut, comment ça va? Ça va, je suis en plein dans le contrat. Qu'est-ce qui va pas? T'as une drôle de voix. J'arrête pas de penser à notre avenir et à l'appli, et je crois que... Je suis pas sûre de pouvoir mener le projet au bout. Quand on a créé et lancé l'appli, j'avais le cœur brisé par ma rupture avec Carl. Ah oui, Carl. Je voyais l'amour et les relations amoureuses à travers ce prisme. Mais maintenant que je suis chez moi, dans un lieu que j'aime, avec les gens que j'aime, et le fait d'avoir renoué avec Carl m'a poussée à voir les choses différemment. Je suis persuadée que cette remise en question n'est pas un simple hasard. Je crois que ma place est en Floride et... avec Carl. Donc je pense que je vais rester ici et te laisser ma part dans l'entreprise. Mais c'est ton projet, ton travail. Oui, je sais. Tu veux tout laisser tomber pour un ex ? Un ex que t'as retrouvé depuis seulement une semaine? Un ex qui, par définition, est quelqu'un avec qui ça n'a pas marché? Non, il s'agit pas de Carl, il s'agit plutôt de l'appli et de mon désir de rester chez moi. Je suis persuadée que c'est la bonne décision. Ok. Peut-être que c'est le cas. Mais peut-être que tu as juste le mal du pays. Et que ce sont les vieux sentiments que t'avais pour lui qui remontent. Et que c'est une façon de vraiment tourner la page avec lui. Essaye de prendre du recul. N'oublie pas combien tu t'es investi et tout ce que tu pourrais perdre en laissant tomber. Je te rappelle plus tard. Salut. Salut. On va marcher un peu? Si tu veux.
veux que tu saches que j'ai été très heureuse de te retrouver. Mais j'ai accepté le contrat avec Atlas. J'ai décidé de rentrer à Chicago dans 2 jours. Je sais. Et j'arrête pas d'y penser. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. On doit regarder la réalité en face. Je serai là-bas et toi, tu seras ici. On n'a qu'à se rendre visite mutuellement? Non, on a déjà essayé. On peut réessayer. Mais ça n'avait pas marché. Tu préfères ignorer ce qu'il y a entre nous? Les sentiments qui nous lient sont réels. Oui, je sais. Peut-être que ce sont nos anciens sentiments qui remontent. C'est peut-être comme un amour de vacances. Un beau conte de fées. Si pour toi c'est imaginaire, en tout cas pour moi c'est bien réel. Ça ressemble au paradis où je m'y connais pas. J'en viens toujours pas qu'on ait pu organiser le festival. Oui, je sais, moi c'est pareil. Mais on a réussi. Et la maison est superbe. Elle est même magnifique. T'as hérité de la beauté de ta mère, mais t'as hérité de mon sens du style. Si tu le dis. Ta mère serait très heureuse de voir ça. Ma chérie, je sais que tu espérais qu'en organisant le festival ici, et en faisant revenir du monde à la maison, ça me ferait changer d'avis. Et tu avais absolument raison. Pardon? Mm-hmm. C'est vrai? Alors tu vas pas vendre? Non, j'ai décidé de réouvrir. Ça me fait tellement plaisir. Ah, moi aussi. Je vais de nouveau faire chambre d'hôte. Alors t'as intérêt à revenir vite pour être ma première cliente. Non, papa, je serai pas ta cliente. Parce que ce sera toujours chez moi. Oui, toujours. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. C'est l'heure du discours. Merci à tous d'être venus si nombreux et merci à tous les habitants de Safety Harbor pour votre aide. Nous voudrions remercier en particulier Mika et Alana. On n'aurait jamais réussi sans vous. On a réussi. Je vais être fier de toi. Nous voudrions aussi remercier le sponsor qui a soutenu le festival. Vous connaissez tous le plus grand constructeur de matériel nautique du pays et vous savez tous que c'est un enfant d'ici, Carl Olson de Kayak. Ouais! C'est moi qui ai dessiné le logo. Carl, tu es là? Tu veux venir dire quelques mots? Carl? Non, je crois qu'il n'est pas là. Encore merci à tous d'être là aujourd'hui et maintenant, profitez du festival! Carl a créé Kayak, la plus prestigieuse marque du pays. Je pensais que tu le savais. Sam m'a dit qu'il t'avait dit ce qu'il faisait comme travail. Il m'a dit qu'il fabriquait des kayaks et des planches de paddle, mais... On dirait qu'il est resté discret sur certains détails. Pourquoi il me l'a pas dit? Tu le connais, il est modeste. Il a lancé sa boîte quand il est revenu de Chicago. Un journaliste qui l'a interviewé lui a demandé ce qui l'avait inspiré. Il a dit que c'était toi. J'ai vraiment tout gâché entre lui et moi. Il est jamais trop tard pour tout arranger. Et si lui, il veut pas? Je pense très sincèrement qu'il sera pas contre. Allez, dépêche-toi, va le retrouver. Ça y est, je sais qu'il tient son gène de Cupidon. Ce serait mes gènes? Oui, tes gènes. Allô? Salut. À quelle heure t'arrives demain? J'ai eu Atlas, ils veulent qu'on déjeune ensemble. J'arrive vers midi, on dit à 1 heure? Parfait.
René, attends. On en discutera demain avec eux, mais je voudrais modifier l'appli. Le critère principal devrait uniquement être l'amour. C'est la seule chose qui compte vraiment. Un lien réel. J'aime cette idée, mais techniquement, tu vois ça comment? Je sais pas encore, mais on trouvera une solution. D'accord, je te fais confiance. Oh, et il faudra aussi discuter d'autres choses avec eux. Ouvrir une succursale. Laisse-moi deviner, une succursale en Floride? Tu viendras me voir? Mais oui, évidemment. Ah, il faut que je te laisse. Mon chevalier servant est arrivé. Monsieur, je travaille juste en face? Oui, il s'appelle Daniel. Alors, à demain. Back when we were kids, stars in our eyes so big, running around chasing down every dream. Carl! Nothing in our way, stealing all the light from the day. I haven't felt that feeling in so long, but something about you just brings it on. And it's like... Carl, je suis vraiment désolée. J'ai eu peur et j'ai douté de nous. Je sais pas quoi dire d'autre. Ne dis rien. Tu sais bien que je devine à l'avance tout ce que tu vas dire. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Que nous deux, c'est réel. Que tu le sais. Et que tu ne veux plus jamais qu'on soit séparés. Tu sais bien que je devine à l'avance tout ce que tu vas dire. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Là, tu vas dire... que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Thank you.